Et bonjour à tous, c'est Darklink. Aujourd'hui, c'est incroyable. J'ai trouvé un nouveau masque qui protège plus efficacement que le précédent. Oui, car devant certaines personnes, on ne sait jamais. Oh, pardon. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Youpi, youpi! Si tu me donnes des noix Korogu, j'agrandirai ta sacoche. C'est bien, hein? C'est bien. Quel compartiment t'intéresse? Ah, les armes, évidemment. Oh! Il me manque de noix Korogu. Ah, ça, c'est pas de chance, alors. Bon, bah, à la prochaine. Salut. Désolé, hein. Donc, quel est le but de cette vidéo? Eh bien, tout simplement, nous allons nous lancer dans les épreuves à l'épée, en commençant évidemment par l'épreuve novice. Voilà, donc je ferai une vidéo pour l'épreuve novice. Et bon, c'est cette fois-ci, comme vous le voyez, je suis en mode expert. Je suis en mode expert et c'est la première fois que je fais les épreuves comme ça en mode expert. Normalement, on devrait choisir là, novice. En fait, je crois que ça le fait automatiquement. Je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc. Ah, je redécouvre un petit peu, on va dire. Toi que la lame a choisi, au nom de la déesse Ilia, nous te soumettons à cette épreuve. Tes forces ne te permettent pas de manier l'épée de légende nimbée de son éclat véritable. Affûte ton corps et ton esprit en triomphant de tous les obstacles que ce monde mettra sur ton chemin. C'est un monde de chimères où l'illusion règne en maître ici. Tout peut arriver. Absolument tout. Mais rien de ce que tu t'approprieras dans ce monde n'existera plus à ton retour. Élu de l'épée de légende, triomphe de l'épreuve de l'épée et fais tienne la lumière éternelle. Épreuve basique à l'épée. Voilà. Donc, on commence par l'épreuve basique pour cette vidéo. Et pour la prochaine, évidemment, on fera l'épreuve standard. Mais par contre, pour ce qui est de l'épreuve expert, enfin extrême, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Je pense que je le ferai pas puisque, en fait, il y a un petit moment déjà, il y a plus d'un an, voire 2 ans, je sais plus, j'ai déjà fait une vidéo sur l'épreuve extrême. Voilà, attention. J'ai fait une vidéo sur l'épreuve extrême, en mode normal, évidemment, pas en mode expert. Mais voilà, et c'est hyper long parce qu'il y a tellement d'étages. Je crois que la vidéo que j'ai faite à l'époque, elle fait environ 1 heure et demie. Vu que je l'ai déjà enregistré, bon, enregistré 2 fois à peu près la même chose, sauf que tous les ennemis sont upgradés, hein, parce que là, non, normalement, on a des rouges. Et à la place, évidemment, voilà, ça ne rigole plus. Ah, si je pouvais faire le tour et arriver par derrière, ce serait pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, je mettrai peut-être le lien de ma vidéo dans la description. Voilà, pour les intéressés. Ceux qui veulent me voir me frotter à l'épreuve extrême. Ou peut-être que je la mettrai dans la vidéo de. Quand je ferai le mode standard. Oh là là, oh là là, oh là 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 là. Oh là là! Vous permettez? Voilà, merci beaucoup. Je me sers, hein, je me sers. Oh, je suis un peu fatigué là, je suis un peu fatigué. Désolé, je retourne me cacher. Ah, mais calmez-vous, calmez-vous, ça va aller, ça va aller. Ça va bien se passer. Oh putain, putain, il me colle! Putain, mais comment faire? Ah, maintenant qu'il m'a repéré, putain, c'est celui qui est la plus. Qui a l'arme la plus. Voilà, c'est celui qui a l'arme la plus forte qui me poursuit, quoi. J'ai vraiment pas de chance. Mais c'est bon, là! Putain, et vu que je suis à poil, évidemment. Ah oui mince, vous me direz, j'aurais pu manger de la nourriture pour avoir les cœurs jaunes avant de commencer cette épreuve. Ah, j'y ai pu penser du coup. J'étais tellement occupé à déblater des conneries que voilà quoi. Mais tu vas me lâcher au bout d'un moment, oui?
Va calmer tes ardeurs un peu. Putain, mais... C'est bon? Tu vas me lâcher maintenant? Aïe aïe aïe, pas simple hein. C'est vraiment pas simple. Aïe 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 aïe. Ah bah là, ça fait des chatouilles ces armes. Ça fait des chatouilles. Aïe 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 aïe. Bon, voilà, on va essayer d'être discret. Évidemment, j'ai plus les costumes, j'ai plus rien. Hein. Sinon, ce serait beaucoup trop facile, évidemment. Donc là, j'ai compris qu'il fallait pas faire de bruit. Hein. L'intelligence artificielle est quand même bien travaillée. Parce que quand j'étais sur l'île Finalis, lors de ma première partie sur ce jeu, pour ceux qui auront vu la vidéo, j'ai cassé les caisses devant un ennemi qui était en train de dormir. Et ça l'a réveillé. Je pensais pas que l'intelligence artificielle serait poussée à ce point, quoi. Ah, c'est chaud là, mais c'est chaud. Attends, il faudrait qu'il lâche l'épée, l'autre. Putain, mais il le garde tout le temps sur la main. Ah ouais, faut être hyper prudent. Désolé si je suis un peu long. Ah, j'aimerais attaquer en premier celui qui a l'épée là. Ouais, c'est vraiment chaud. Remarque, je peux utiliser les bombes aussi. C'est vrai ça. Ah merde! Pourquoi il me l'envoie sur moi, lui? Donc là, contrairement à l'île Finanis, on est vraiment obligé de tous les éliminer, hein, pour... si on veut progresser. Ah, merci beaucoup. Allez, un de moins. Oh là là, c'est celui qui a l'épée encore qui me poursuit. Ah, c'est bon, tu peux t'en aller. Ah, désolé, c'est un peu long. Mais là, je joue vraiment la prudence, parce que ça craint. Ah, d'accord! Il est comme ça, lui. Attendez, j'ai une idée. Elle est où, la bombe? Ah, c'est magnifique, la vue. Oh, putain! Aïe 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 aïe. Ah tiens. Ah oh, mais ça va, il me fait pas tant mal que ça. Ah, j'imaginais bien pire comme dégâts. Ah, c'est sûr que c'est pas pour autant que je dois lâcher ma garde, mais... Ah! Merci beaucoup! Toi, tu vas... Voilà, toi, tu t'en vas. Toi, tu vas calmer tes ardeurs, maintenant, hein? Ça suffit! Allez! File dans ta chambre! Merci beaucoup! Ah, il est pas content, forcément. Et voilà, une fois que j'ai éliminé tous les ennemis, j'ai accès au niveau supérieur. Et on fait bien le tour, évidemment, pour voir si on n'a rien oublié. Oh, branche. Oh, ça peut servir, on sait jamais. Voilà, niveau armes, j'ai de la place. C'est bon. Ah oui, évidemment, voilà. Voilà ça, très important. Évidemment, ça c'est un peu con. Je crois que j'aurais dû prendre la hache, en fait. Ah, je suis d'accord avec vous, j'aurais dû prendre la hache. J'ai pas réfléchi, voilà. Ça m'apprendra. Bon, là y'a rien. Bon, bah, j'ai fait le tour, on va arrêter de traîner maintenant. Donc dans l'épreuve basique, normalement, il n'y a pas beaucoup d'étages. Hein. C'est plus on avance dans la difficulté des épreuves,
C'est-à-dire, l'épreuve standard, il y a plus d'étages que l'épreuve basique. Ainsi de suite. Alors là, j'ai pas l'arc. Ah là là, j'ai pas l'arc. Bon, on va se débarrasser d'eux. Ah, désolé, j'y vais un peu à l'arrache, mais là... Voilà, au moins... Allez, on va se servir du courant ascendant. Allez, on essaie de piquer son arme à lui. Ah, il a lâché son arme, parfait. Ah, jolie pirouette. C'était impressionnant. Donc là, voilà, évidemment, on récupère pas ces morceaux, vu que... Ah oui, tiens, des flèches. Merde. Ah, voilà, très bien. Bon, je regardais ma batte pour... Ah, bien, une grosse fessée. Je l'ai surpris. Je pense que c'est plus ça que j'aurais fait plus souvent parce que... Allez, un coup de branche. Là. Nickel. On va essayer de voir si je peux récupérer son arc. Très bien. Bon, 6 flèches. C'est pas trop mal. Ouais, évidemment, vu que j'ai une petite arc de rien du tout, ça fait pas beaucoup de dégâts. Oui, je peux pas monter là. Je ne peux pas monter. Bon, ben. Ah, je lance pas assez haut. Voilà, j'essaie de cramer l'herbe, mais. Apparemment ça marche pas. Bon, j'ai compris, on va grimper à l'arbre. Ouais, on va grimper à l'arbre. Oh là là, ouais, j'ai tellement couru que j'ai même pas fait gaffe à mon endurance. Bravo. Donc voilà, quand on a presque plus d'endurance comme ça, ce qui est bien, c'est que quand on fait le dernier saut... Avant que mon endurance soit totalement épuisée. Il fait un grand saut, il fait un plus grand saut que la normale. Bon, lui il est allé en bas. Allez, on va lui donner un coup de marteau. Voilà, magnifique. Oh là là. Des flèches qui volent de partout là. Allez, on va récupérer la flèche. Très bien, 2. Il est où? Bah, allez, on va utiliser les bombes un peu. Histoire d'économiser ses armes. Bon, voilà, les flèches qu'ils tirent, eux, on peut en récupérer 5 maximum. Après, on peut plus évidemment. Non, ce serait trop facile, hein, comme j'ai dû l'expliquer. Lors de ma précédente partie. Ah, je sais, c'est technique de petit joueur, mais... Ah, il peut faire vite, c'est vrai, il se régénère. Là. Bon, je crois que lui, il a une épée plus puissante. Quelle... Ah non, l'épée de voyageur, c'est 5, je crois, l'épée de voyageur. Là. Très bien. Et encore. Ah, il faut les attaquer rapidement avant qu'ils se régénèrent, ça. Oh là là. La maltraitance. Bon, il n'y a pas des armes à récupérer. Les arcs. Ah ouais, je l'ai récupéré, son arc. Bon, toujours pas de marmite. C'est pas grave. Oh là, par contre...
contre, ouais. Un niveau cœur, ça commence à baisser un petit peu. J'en souviens plus combien il y a d'étages, je crois qu'il y en a 20 dans le mode basique, je sais plus du tout. Et sous les cailloux, il y a rien? Oh là, il va y avoir quoi? Ah! Ça! Attention! Ah! Oh là, ça rigole plus là. Oh, le pauvre arbre. Bon, voilà, s'il y a que eux, franchement, c'est très facile. Tain, je l'ai fait peur. J'ai tué tous ses alliés et d'un coup, il a peur. Du coup, il a peur. Ah, il en reste un là-bas. Ah bah, c'était très facile. Ah, nickel. Il y a vraiment rien sous les cailloux. Pas de lézard max ou... Quoi? Ou des sauterelles? Bon. Dans les armes, il n'y a pas des œufs, parce que des fois il y a des œufs. Non. Ah, tant pis. Pas des caisses non plus. Je regarde vite fait. Ah. Oh là là. Quoi, il m'a vu? Oh non! D'où il m'a vu? Ouais, on va s'attaquer à lui en premier. Voilà, on laisse pas de répit. Récupère son arme. Voilà. Un de moins. C'est bien parce que pendant qu'on grimpe à l'échelle, qu'on trama sur les arbres ou ailleurs, on récupère son endurance. Voilà, attention, il m'a repéré. Oh putain. Oh putain! Je me suis fait one shot! Oh non, j'y crois pas! Bien. Nous sommes de retour à l'étage où j'ai bêtement décédé. Voilà, lamentablement, tout en haut. Mais cette fois-ci, on va quand même faire un peu plus attention. Évidemment, voilà, je me retrouve avec moins de cœur vu que j'étais un peu frustré et pressé. Là, par contre, j'ai été moins prudent. Forcément, tout le monde m'a vu, c'est magnifique. Voilà, attention. Ah. Oh là, il a une bonne arme, l'autre. J'ai vu beaucoup pointu, là. D'où il a eu le temps de... Bon, c'est sûr, c'est une arme rapide, ça, mais... Voilà, merci beaucoup. Oh, je crois qu'il y a un noir. Oula! Oh, lui, attention! Ah là, putain, mais. Et il veut pas lâcher son arme! Je crois qu'ils sont plus malins ceux-là! En plus d'être plus costauds, ils lâchent pas leur arme comme ça!
Ah, si seulement j'avais des flèches électriques. C'est vrai. Putain. Ah, ça va, je lui enlève de la vie quand même. Ah, très bien ça. Allez, un petit coup de branche. Essayez de le brancher un peu, voilà. Un petit coup de ça. Ah, il en faut des coups, il en faut. Ah, voilà. Très bien. Bon, là, on va le garder pour les caisses. On va prendre ça, tiens. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, un bouclier. Ah, mais je vais pas équiper le bouclier. Oh putain! Oh putain, mais je vais encore crever avec ces conneries! Putain, mais je cherchais le bouclier! Oh là là, mais je fais n'importe quoi là. Oh putain! One shot. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire maintenant. Je crois que c'est la meilleure technique en mode expert, comme ça. Les surprendre. Ah, des fois, la filtration est vraiment nécessaire quand les ennemis sont trop costauds comme ça. Restez discret le plus longtemps possible. Attention. Allez, grosse fessée. Vous voyez que là, bon, j'ai recommencé plusieurs fois, donc j'ai fait une grosse coupure. Enfin, j'ai pas enregistré du tout, je viens juste de lancer l'enregistrement, en fait. Parce que sinon, ça ferait les vidéos pour rien. Et j'ai recommencé plusieurs fois, donc au bout d'un moment, ça m'a tellement agacé que je suis allé un peu à l'arrache. Comme vous pouvez le voir, au nombre de vies qui m'en reste. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe, maintenant. On va bien le surprendre, le noir, là. Sachant qu'ils sont bien plus costauds que les bleus. Oh, putain, mais c'est lamentable. C'est lamentable, là. Oh, putain, il descend voir. Oh, putain, il est motivé. Oh, il est énervé, ça y est. En cela, ils sont tellement costauds, j'ai pas envie de briser mes armes comme ça maintenant. Oh là là, il est énervé. Oh, un autre costaud là. Oh, ça y est, je suis en sandwich presque. Je crois qu'en haut, il y en a un qui a carrément des flèches de feu, donc faut vraiment faire gaffe. Celui-là, j'aimerais vraiment m'en débarrasser. Donc, on va aller le voir. Alors, on va utiliser le marteau pour ça. Là, attention, eux. Bon, ça va, ils m'ont perdu de vue, apparemment. Ah non, pas du tout. Putain. Ah, c'est lui qui a l'arc, là. Oh là là. Alors, lui, il faut vraiment faire gaffe. Oh putain, il me balance des cailloux et tout, ces membres de Fada, là. Est-ce qu'il va s'exploser tout seul? Juste voir en attaquant. Ou alors je fais ça. Attends. Là, il faut vraiment faire vite. Hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Ah, mais non, il y en a un autre qui a les flèches de feu. Il se crame tout seul, d'accord. Et l'autre, il se prend pour, je sais pas quoi, il veut jouer au foot. Putain. Ah, putain!
c'est chaud. Ça y est, il est déchaîné, lui. J'aimerais bien qu'il se crame tout seul, là. Tiens. Allez, maintenant tu vas me donner ton arc. Ah, voilà. J'ai de bonnes armes maintenant. Oh, lui se régénère. Ouais. Mode furtif. Oui, sauf que là. Pas du bon côté. Ouais, c'est sûr, c'est un peu long, c'est pas très palpitant à regarder, mais là, je n'ai pas vraiment le choix. Si je veux jouer dans la prudence, vu le nombre de vie qui me reste, pour le dernier coup de race, c'est mieux de prendre une arme un peu plus puissante quand même. On va avoir un peu plus de chances de le one-shot, sans trop abîmer les armes. Allez, bon. Voilà. Très bien, ça. C'est quoi ce bruit? Ah, j'ai entendu un cri de l'angoisse, là. Il est où l'autre? Il est en haut? Attendez. Déjà. Bien qu'il se retourne. Putain! Je voulais. J'ai même pas eu le temps de sortir la bombe! Putain. Oh! Sauf qu'il peut! Ah, ils sont pas bêtes quand même. Ils sont pas bêtes. Putain. Attention. Putain, la caméra qui déconne. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quoi ces cris d'effroi là? Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est là. C'est parfait, les deux dos. Il est en train de chanter, on dirait. Je connais pas du tout cette chanson. Non, il se retourne. Et les chutes, ça leur fait rien. Hein. On va faire ça. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Ah, il est énervé là, ça y est. Ouais, à peine je sors mon arc. Putain, il fait le téton et tout. Putain, il a brisé mon meilleur arme. J'ai pas trop le choix. On a pas trop le temps vu que ça régénère là. C'est l'avant-dernier en plus. Enfin, c'est le dernier costaud qui reste. Ah, parfait. Ah, nickel. Et donc l'autre. Ah, c'est le plus facile. On va simplement monter là et le finir. Parce que... Aïe, 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 aïe. J'espère qu'il y a...
une salle de repos après ça, parce que là, franchement, ça craint, quoi. Ça va, j'ai 40 flèches. Ah bah parfait! Ah bah voilà, on y arrive! Enfin, jusqu'où aussi? Bon, parfait ça, il donne beaucoup de flèches et des flèches de feu en plus, nickel! Évidemment, faut toujours amortir la chute parce que moi, les chutes ça me fait mal, hein, par contre. Donc là, je peux le passer tout ça maintenant, on l'a déjà vu. Je me téléporte. Voilà, c'est pas la salle de repos du tout. Oh, un grand gaillard! Au secours. Oh putain, il fait peur lui. On va essayer de le cramer. Attendez, j'ai une idée. Quoi? J'ai pas tiré sur l'herbe? Oh putain, j'ai pas tiré sur l'herbe! Allez! Ah, c'est génial, je vois rien du tout là! C'est que c'est dans la tête que j'aurais tiré, mais. Essayer de le brûler comme ça. Ça leur fait pas mal de dégâts en fait quand on les brûle. Ah ouais, c'est impressionnant. Ah c'est... Ah ça vaut vraiment le coup en fait. Faut cramer la pelouse au pied des adversaires plutôt que leur tirer sur la tête. Oh là là. Ah bah ça va, j'en ai 4. Je croyais que j'en avais beaucoup moins que ça de flèches de feu, mais finalement ça va. Là par contre... Boum! Ah, ils ont pas beaucoup de vie! Putain, non! Bien! Donc, nous sommes de retour au niveau 5, là où j'ai perdu, lamentablement. Voilà, donc on va essayer de les cramer, ces deux-là, ces deux grands moblins. Voilà, les deux grands gaillards, comme je les appelle. Ah mince, ils m'ont repéré, vite. Fais-je le feu. Essayez de cramer la pelouse cette fois. Espérant qu'ils viennent dans le feu. Oh là là, sauf qu'il peut, sauf qu'il peut. Sauf qu'il peut. J'aimerais bien qu'ils crament. Putain, mais il prend pas feu! Allez! Ah bah voilà, nickel! Ah, c'est vachement pratique le feu! Ah, lance moblin! Très bien ça! Oh oui, d'accord, 4 de dégâts! J'imaginais que ce serait plus puissant que ça, mais non! Bon, je suis déçu! Je suis vraiment déçu là! Allez, prends feu! Oh non, sa vie ne baisse plus. Ah! Oh non! Oh non! Oh putain! Il a cessé de prendre feu! Putain, je le vois même pas, c'est génial. Ah, c'est génial, quoi. C'est le stress absolu. Oh putain, il est en train de se régénérer en plus! Bon, mais il n'y a plus qu'à faire en sorte que lui-même mette le feu. Qu'il se prenne lui-même le feu. Voilà, ce serait pas mal. Allez, viens ici. Viens par ici. Allez, viens par là. Lâche-moi cet arbre. Putain. Allez, mets le feu partout, là. Mets le feu partout, vas-y. Allez, fais comme Johnny! Mets le feu!
Ouais, là, vaut mieux se mettre à l'abri parce que là ça craint. Putain, j'ai pas de chance, il a pas pris feu là. Il avait pris feu à un moment, mais. J'ai plus de flèche de feu. Ah, mais ils sont explosés tout seuls! Parfait ça! Oh! Oh, le coup de chance que j'ai eu! Mais c'est incroyable! Ah, c'est vachement rare ça! Oh là là! J'ai de la chance, on le voit direct en vidéo! Oh là là! C'est magnifique! Là, y a pas du poulet, ni de la nourriture? Parce que là. Ah, bah si, de la nourriture, des flèches et tout! Des bananes grillées! 5 flèches en bois. Ah, bah, j'ai pas eu de flèches en feu par contre. Mais c'est excellent ça, c'est ma chance là. On dirait bien que c'est ma chance. Ah, et encore une flèche là. Attends, c'est quoi ça? Bat. Ah oui, ça. Ça vaut le coup. Compartiment des armes sont pleins. On va se débarrasser de ça. Voilà. Très bien ça. Parfait. Ça c'est quoi? Épieux. Attendez. On va se débarrasser d'une arme qui n'est pas puissante du tout. Bon bah tant pis, c'est pas grave. Allez. Qu'est-ce que ça va être? Une salle de repos un peu ou... Allez, un peu de repos. Oh non, c'est un boss, au contraire. Oh my god. Oh my god. Oh, ça fait peur, là. On va tirer à prendre une bonne arme, là. Oh ben... Il y a que ça, hein. Ouais, bon, c'est pas génial, ça. C'est pas génial, tout ça. On va pas manger ça comme ça à l'arrache. Ça pourrait toujours m'aider, mais bon... Voilà, histoire de se mettre quelques cœurs en plus, même si... Je sais pas si de toute façon il pourrait me one-shot, lui, mais... Ah putain, il s'est réveillé, vite! On grimpe! Non, je ne voulais pas tomber. Allez, bourrine. Bourrine. Oh là là, attention. Il faudra un truc là. Ah, voilà. Ça. Allez, vite, on regrimpe. Vite, grimpe. Je ne vois rien. C'est bon. On attend un peu, voilà. Oh putain, il se régénère vite. Vite, une autre arme. Ça. Très bien, ça. Oh putain, il m'a balancé. Heureusement, il m'a pas fait très mal. Attention, ça, c'est dangereux. Putain, il se retourne vite quand même, hein. Pour la masse que c'est, il se retourne vite. Putain, il se régénère. Ah, putain, je suis fatigué. Vite. Voilà. Je vois rien. N'importe nawak là. Oh non, pas ça. Oh, oh là là, oh là là. Enfin, pas les trucs explosifs. Vite, il est en train de se régénérer là. J'attends d'être full endurance. Oh non, il va bientôt. Ah. Oh là là.
Ah. Ah putain! Vite! Oh là là! Oh là là! Putain, vite! Putain, c'est chaud! C'est vachement chaud quand même! Ah putain, je suis fatigué! Ah, parfait, il s'est baissé! Mais attaque comme il faut! Putain, il a caméra qui filme n'importe comment! J'enlève que dalle, mais putain! Allez, lève-toi! Ok, on va faire autrement. Oh putain, j'ai de la chance, il m'a pas fait très mal. Ah! Ah, mais nickel ça! Comme quoi, il faut fouiller partout. Allez, à la Shadow of the Colossus. Oh putain, mais pourquoi je suis glissé? Mais quel con! Ah putain, mais il se retourne vite, hein! C'est bon. Je crois que j'ai abandonné. On va laisser tomber les épreuves extrêmes, hein, parce que là, c'est beaucoup trop dur pour moi. Là, j'abandonne. Officiellement, j'abandonne, ça fait plusieurs fois que je recommence, je n'en peux plus. C'est beaucoup trop dur, ouais. Je sais, je suis pas très doué, mais de toute façon, hein, pour le peu de vue que j'ai, c'est même pas la peine. Bon, bah, en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, et puis on se retrouve pour une autre épreuve une prochaine fois. Allez, ciao, portez-vous bien.